Vous connaissez la mécanique? Non. Dommage. Stasera, mina mia, sono montato, te lo dirò. Steh auf. Ich stehe auf. Zeig deine Hand. Das ist meine Hand. Ainsi, chacun des élèves acquiert la pratique d'autres langues que sa langue maternelle et bénéficie de l'apport conjugué des diverses cultures qui forment la civilisation européenne. C'est intéressant de voir la culture de notre pays, d'avoir des échanges, et ça nous aidera beaucoup dans l'Europe. L'Europe aussi a ses nouveaux projets trop méconnus. Erasmus, qui dès 87 va favoriser les échanges entre les étudiants européens. Ce projet va permettre à des étudiants appartenant à des universités d'un pays d'aller dans d'autres pays. Et c'est cette mobilité qui est extrêmement intéressante. Désormais, les apprentis pourront eux aussi vivre un an à l'étranger grâce au programme Erasmus, qui n'est donc plus réservé aux étudiants de faculté. Ils vont participer à toutes les tâches. Le premier jour, bien sûr, ils suivront nos mécaniciens. Mais ensuite, quand ils se seront bien intégrés, ils commenceront à travailler de manière autonome. On se dit qu'on a vraiment de la chance d'être... de pouvoir partir en Suède, on découvre un autre paysage. Et ça fait du bien quoi, de changer d'air. Ça les ouvre, ça les rend très disponibles, très débrouillards. Leur horizon dépasse la France et devient européen. On voit qu'ils sont motivés aussi, par rapport à leur parcours, qu'ils ont envie d'aller de l'avant. Ces jeunes savourent leur chance. 100% des apprentis qui ont fait un stage à l'étranger trouvent un emploi. Vous parlez italien ? Ouais, io posso parlare l'italiano si vuoi. Qu'est-ce qu'il dit? Comment le saurais-je?